Parlant de difficultés, lorsqu'on est entrepreneur, quand on se lance dans un business, il arrive des moments où on a envie de mettre la clé sous le paillasson parce que rien ne marche dans ces périodes-là. Quel doit être l'état d'esprit d'un entrepreneur? Quel mind on doit développer? Il est important pour un entrepreneur, lorsqu'il démarre son activité, de toujours avoir une source de motivation. Parce qu'un entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui crée. D'accord. Voilà, c'est un innovateur, c'est quelqu'un qui a vu un problème auquel il décide d'apporter une solution. Donc, il est important déjà, à ce stade-là, de trouver la source de sa motivation. Et comme ça, face aux difficultés, face aux problèmes, on réussit toujours à se repérer. Notre motivation est notre point de repère. OK. Donc, ça nous permet à chaque moment de pouvoir faire un plein d'énergie, un plein de positivité et d'aller encore de l'avant pour chercher à surmonter les problèmes. Parce que en entrepreneuriat, entrepreneuriat et problème, c'est une paire qui marche. Ouais. Donc, c'est jamais l'un sans l'autre. Donc, il y a D'accord. toujours des difficultés à relever, mais il est important de toujours trouver sa source de motivation et de toujours s'en rappeler. Voilà. Alors, quelle est ta source de motivation, Samuel Sévi? Celle-là, je ne la sentais pas venir, mais je vais juste dire une seule chose, c'est que quand j'avais 14 ans, j'ai fait ma propre citation, que je n'hésite pas à dire à chaque fois que j'ai la possibilité de prendre le micro ou lorsque je suis devant une caméra. Cette citation, elle est signée Samuel Sévi, OK. c'est que je ne ferai pas partie de ceux qui passent dans ce monde, mais plutôt de ceux qui marquent le monde. D'accord. Voilà, donc dans cette phrase, il y a ma source de motivation. Et tu as déjà marqué la Côte d'Ivoire, l'Afrique, et tu continues ta marche vers cet impact mondial. En tout cas, on espère que tu pourras atteindre tes objectifs.